La principale caractéristique de Google et de Google Scholar par extension est son algorithme de pertinence, ce qu'on appelle généralement le PageRank. Bien qu'il soit impossible de savoir comment les algorithmes de Google fonctionnent, on sait qu'il s'agit grosso modo d'un concours de popularité. Essentiellement, plus il y a de références faites à une page, plus celle-ci va être considérée comme pertinente. De la même façon, plus la référence est faite par une page qui est reconnue, plus elle va avoir de la valeur comparativement à une référence qui est faite par une page inconnue. Google Scholar applique ce concept-là aux articles et aux autres documents qu'il répertorie. Un lien entre deux articles se traduit généralement par un lien qu'on appelle bibliographique. Plus un article est cité par d'autres articles, plus il est pertinent. Qu'est-ce que ça implique exactement quand on fait une recherche? Si on commence par faire une recherche de base, ce qu'on remarque, c'est qu'une recherche générale va retourner principalement des résultats populaires et des articles séminaux. Les articles qui sont plus vieux, qui ont eu le temps d'être plus cités, vont également être privilégiés. C'est une bonne façon de se faire une tête sur un sujet pour trouver des articles qui sont déjà connus. C'est par contre un peu moins efficace pour découvrir les dernières publications dans un domaine ou pour trouver des documents qui seraient un peu plus vieux, pertinents, mais qui n'ont pas été cités encore. L'inconvénient majeur, en fait, par rapport à Google Scholar, c'est surtout qu'on est pris avec le PageRank. Google a beau nous envoyer 3 millions de résultats, on va généralement se limiter aux 400 premières pages. C'est aussi presque impossible de préciser la recherche sans devoir en faire une nouvelle. Essentiellement, on peut jouer un peu avec les dates, retirer certains types de documents. Si on regarde à gauche, par exemple, on peut limiter aux articles qui sont sortis en 2020 ou exclure, par exemple, les brevets. Mais c'est à peu près tout. Il faut donc faire avec ce que Google nous envoie ou bien faire une nouvelle recherche avec d'autres mots-clés. Sur ce dernier point, la recherche avancée permet quand même quelques options que je vous invite à explorer par vous-même.